Bon, ça suffit maintenant. Laisse-moi grandir, ça fait mal. Ça fait mal de temps. Je savais bien qu'on finirait par le faire, ce plan à trois. Donc, pourquoi ce pyjama? J'ai le temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand est-ce que tu crois que je pourrais faire les interviews? Vous parlez d'autre chose pour changer? Ah bah c'est ton projet, hein, mec. Bon. Combien de gonzesses tu t'es réellement tapé dans ta vie? Quoi? À quoi vous pensez? À rien. Je me demandais juste ce que font les gens normaux à l'heure qu'il est. Oui, bah sans vouloir trop interférer dans votre boulot, vous pourriez pas faire quelque chose? Oh non, pas encore. J'aurais séparé ou j'en sais rien, moi, qu'on en finisse. Non, mais si j'y vais maintenant et qu'elle perd la face, je vais me retrouver à chercher des cafés jusqu'à la fin de ma vie. Ah, vous êtes pas si bête que ça, en fait. De quoi ça vous étonne? Vous croyez que j'étais un cliché? Je suis rousse, hein, pas blonde. Désolé. Et juste pour info, je sais très bien jouer la comédie. J'ai bien vu comment vous me regardiez tout à l'heure. Vous paraissez de faire semblant maintenant. J'ai rien dit. Je suis une femme. Je sais. J'ai rien dit. Oui, ça je sais, j'écoute tout ce qui se dit. Mais j'ai bien vu comment vous me regardiez. Mais Ophélie! J'ai besoin de savoir. Est-ce que vous me voyez vraiment en Flavie Flyers? Mais pourquoi ça vous intéresse tant que ça? Toutes les femmes sont un peu Flavie Flyers, non? Elle m'a fait un bisou. Bon, allez, mec, désespère pas. Je sais pas si tu vas le faire ton film, mais en tout cas, t'auras déjà un bon petit making-of. Super. Je m'appelle Jonathan Larrette, et c'est mon vrai nom. Les gens le savaient? Il y a quelques années, j'ai eu un succès fou avec un super personnage, une super héroïne venue sur Terre pour apprendre aux hommes à super bien parler aux femmes. Elle s'appelle Flavie Flyers. Mauvaise idée, hein? Alexia, c'est mon ancienne éditrice, et elle me fait très très peur, surtout quand elle s'approche si près de moi. Ça, c'est ma petite amie, Claire. Moi. Et elle veut faire de Flavie Flyers une adaptation pour le cinéma. Comme on est tous les deux fauchés, elle m'a poussé à aller voir Alexia, qui est aussi son ennemie jurée. Pas une super idée non plus, hein. Surtout que mes deux amis, qui vivent dans une tente dans mon salon, sont là pour filmer l'aventure et garder en souvenir ces moments censés être inoubliables. Elle est pas belle, la vie? Dis-moi ce qu'elle t'a dit, cette garce! Alors, voilà ce que vous avez loupé dans Backstage Backdoor. C'est dur à dire, surtout avec cette tenue. Mais tu es mon nouveau héros. Comment t'as fait pour te taper ces deux nanas-là en même temps? Désolée, hein, mais j'avais besoin de sucer quelque chose. Allez, viens. Tu vois, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui se battent pour réaliser leurs rêves, et puis il y a celles qui regardent les feux de l'amour tous les après-midi en pyjama. Je suis pas 100% lesbienne. C'est pour ça que je t'ai remarqué tout à l'heure. Tu courbes le dos comme Calimero. Et tu piailles comme un petit oiseau tombé de son nid. Piac, piac, piac. Pourquoi t'as si peur du conflit? Alors baisse ton slip. Montre au monde entier que t'as des couilles. Et s'il te plaît, retourne dans cette pièce comme un homme. Parce que ces nanas-là, ce sont des taureaux enragés shootés au féminisme du 21e siècle. Et à la moindre erreur, elles n'hésiteront pas une seule seconde à te dévorer vivant. C'est vrai que j'avais pas vu les choses sous cet angle. Moi non plus. Mais parfois, parler tout haut m'aide à penser plus en profondeur. Alors, méditons sur ce que je viens de dire. Non, je rigole. Bon, tu vois, toi et ta bande de dégénérés mentaux, là. Finalement, je vous aime bien. J'ai envie de vous aider. Vous travaillez dans le cinéma? J'entraîne parfois les flicettes au Krav Maga. Mais j'imagine que c'est pas exactement la même chose. Mais non, j'imagine. Et Bingo Bob, c'est un producteur? Non, c'est mon dealer. Il est un peu artiste sur les bords. Dans le milieu, on l'appelle même le dénicheur, c'est pour dire. Mais l'appelle jamais comme ça, surtout. Tu risques d'avoir des ennuis. Ok, bon, je vais plutôt tenter ma chance avec JPV, alors. Tu veux devenir le king of the world? Alors tu vas devoir prendre plusieurs chemins détournés, même si ça peut vite devenir route. Parce que ton JPV, là, pour le moment, c'est une autoroute. Tu sais pas où elle est, cette autoroute? T'as pas GPS. Alors que mon gars, peut-être qu'il va t'en faire voir de toutes les couleurs. Mais c'est une piste et tu sais où trouver.
Capito. Ouais, ok. Merci. Gracias. You're welcome. Bon sang. J'ai toujours rêvé voir des féministes enragées faire valser des hommes dans les airs. Tu dois faire ton film sans effets spéciaux, ok? Ok. On va essayer. Bon, ben maintenant, je vais botter leur joli petit cul. Si t'es en prison, vous seriez trop pas ma bonne. Même dans le porno, t'as pas ta chance. Mais t'aurais stérilisé pour pas que tu te reproduises, toi. On arrête. Assis. Bon, mais maintenant, parlons business. Toi, t'éteins cette stupide caméra. Et vous dégagez. Et toi, c'est qui ce JPV? Mais elle dira rien. Effectivement, pas la peine de t'embarrasser, ma cocotte. Alexia, tu rêves de quitter ce bureau qui te sert de décharge, mais en même temps, tu veux pas aider ton ex qui sort avec ta meilleure pote. Je réalise que t'es en train de pleinement vivre ton choix de Sophie, là. Mais tu dois rebondir. Je te l'avais dit. Ça n'a jamais été ma meilleure pote. Menteuse! On a partagé beaucoup plus! Ah, ça te faisait sortir. Quant à toi, je veux 10% des recettes du film s'il sort un jour. Mais on va déjà presque rien gagner. Mais Claire, t'es une artiste, t'as pas besoin d'argent. Alors que moi, j'ai été élue meilleure manager 3 années de suite. Je peux vraiment pas négocier là-dessus. Question de réputation, tu comprends? Mais pour JPV Y a jamais eu de JPV, espèce de demeuré. Mytho! Non, mais je vais travailler là-dessus. En attendant, il faudra tenter sa chance ailleurs. Un jour, vous travaillerez tous pour moi. C'est fou ce que je me sens déjà Spielberg. Allez, action! Bon, ben, maintenant, désolé, mais faudra partir. Mais toi. Sauve-toi, bien sûr. Je peux rester. Ça va, là? Je vous ennuie pas trop? Tu sais pas ce que tu rates. S'il y a un problème, je peux rester, hein. Allez. Elle a pris mon micro? Elle t'a pris sa banane. Faut que je vous dise quelque chose, JPV. Je sais qui il est et où le trouver. Ah, vraiment? Et où? Je fais mes recherches. Bah vas-y, raconte! Bah oui, son nom. Jean-Paul Vince. Quoi? C'est une blague? Le plus mystérieux des producteurs américano-flamands. Impossible d'entrer en contact avec lui, c'est lui qui entre en contact avec vous. C'est écrit là. Alexia essaye de le rajouter sur son Facebook depuis 6 mois, mais sans succès. T'as vu? Ce type n'est pas une légende! Si, c'est une légende. Mais vivante. Un jour, il a commenté le Twitter d'Alexia par accident. Mais quand elle arrivera à le contacter, et elle y arrivera parce qu'elle arrive toujours à ses fins, alors je pourrai vous donner son adresse. Mais en échange de quoi? En échange du premier rôle. Je vais aller me suicider. Je reviens. Silence! Je suis comédienne depuis mes 6 ans. Je ferai une excellente Flavie Fayers. Pas vrai? Écoutez, je... Rajoute la scène de nu, mec, c'est le moment. John, pour une fois, sois un homme. Décide. Et bon, écoutez, mademoiselle, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre projet. Mais moi, je suis juste là pour vendre mon script. Je suis pas réalisateur, je suis pas producteur. Moi, j'en ai rien à faire de Flavie Flyers. Moi, tout ce que je veux, c'est que ma vie redevienne normale comme avant. Silence! Tu ne sais pas ce que tu dis. Il sait pas ce qu'il dit. Alors vous, je... Moi, je resterai pas ici à faire les soldes jusqu'à la fin de ma vie. Alors, vous voulez le faire, ce film, oui ou non? Thank you.
Flavie Flyers? Ah ouais, c'est toi qui fais du cinéma, qui veut faire du cinéma, ouais, ouais. Et en fait, vous êtes qui, vraiment? Moi? Je suis ton chemin détourné. Ouais. C'est cool, hein?